Didi. Original. Ori Didi. Original. Bon. Ndekeya. Ce matin. Je veux rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a encore surprise. Et je suis contente. Et ce matin, je veux partager avec tout un chacun de vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Nadia a l'habitude de dire quelque chose ici. Que le désir de vos cœurs soit accompli. Chaque fois, pas déclaration. À tout moment, quand David déclare, le désir ardent de mon cœur, je veux faire une fille. Je dis, je reçois ma fille. Je reçois. Je reçois. Le programme. Effectivement. Le programme qu'on a fait. Visitation angélique. Dieu nous a donné une fille. J'étais venu rendre grâce à Dieu. La grossesse évoluait. 4 mois, quelques semaines. 4 mois, quelques semaines. L'enfant ne bougeait pas dans le ventre. La grossesse ne bougeait pas. Je n'ai rien dit à personne. Un dimanche, j'étais derrière le mouvement, les femmes mouvement d'Ocas. Dadi m'a localisé. Il a dit qu'il a vu un esprit de sorcellerie. Et que l'esprit de la sorcellerie avait tué déjà un enfant. Et il se prépare maintenant pour détruire encore. Mais que cela n'arrivera donc, pas. Dadi a prié pour moi. Il y a un esprit. Bibale. Sorcellerie qui cherche à détruire ta grossesse. Et quand tu dors, on vient te chasser dans ton sommeil. Ça se passe comme ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te libérer. Tu ne verras pas le malheur. Aidez-la, aidez-la. L'esprit là a détruit une grossesse pour toi. Et l'esprit te suit encore. J'ai menti. L'esprit là te suit. Et tu vois qu'on vient te chasser dans ton sommeil. À partir de maintenant, tu ne verras plus. Merci. Tiens, son amour est en Corée. Wow. The mighty name of Jesus. Nom de Jésus. Pray in the mighty name of Jesus. Nom de Jésus. Sois mauvais esprit. Pray. Fire. Qu'est-ce que tu as fait? Et quelle est ta mission? Elle doit mourir. Elle doit mourir. Vous entendez? Nous ici. Sors. Ton. Pfff. Plus jamais ça. Bébé, à son moment. Jésus. Jésus 5. Lundi matin, très tôt le matin. Lundi, le dimanche après prière. L'enfant a commencé à bouger en même temps. Donc, on évoluait, la grossesse évoluait. Sans complication. Sans 8 mois de grossesse, quelque chose. Dadi a fait veiller ici, veille de prière. Le mercredi de veille de prière avec la soeur prophétie sur le sable. J'étais derrière à la prière. Et quand Dadi priait, il est venu sur moi. Il dit qu'on a opéré, on a fait un rituel sur moi. Qui doit me conduire à l'opération. Ok, opération qui va me conduire à la mort. Bon, et quand on va m'opérer que je dois mourir. Ok, Nadia a prié pour moi ce jour-là. Viens. Va. Quand tu dormais, il y a 7 jours aujourd'hui. Tu dormais. On est venu programmer l'opération pour toi avec la mort. C'est un esprit qui en veulent à ta vie, qui cherche à retirer le bébé. Je commande le feu. Toi, esprit de mort, manifeste le feu. Vous allez la cadrer seulement. Manifeste le feu. Manifeste le feu. Aidez-la. Manifeste le feu. Mauvaise. Le feu sur ta tête. Le feu. Partout. Le feu. Bien avant ça, qu'on ne va pas localiser. Avant que Tati ne me localise. Quelque chose me disait dans mon cœur, dans ma pensée,
au cours de ton accouchement, tu vas mourir. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas mourir. Donc, à vous, là, j'avais cette peur là qui m'animait avant que Daddy ne me localise. Après, ce jour où Daddy a localisé ma vie, j'étais déjà à thème. Et à quelques jours de mon accouchement, je me souvenais de comment j'ai accouché difficilement les autres enfants. Et j'avais peur. J'avais tellement peur. Je réfléchissais, je disais, mais comment ça va se passer cette fois-ci? Et lundi, Daddy a prié ici. Et j'étais venu. Après la prière, il a prié pour moi. Il a dit, il ne faut pas avoir peur. Va et amène-moi l'enfant. Rien ne va se passer. Daddy a prié pour moi le lundi. Et effectivement, le vendredi, le travail a commencé. J'étais venu ici payer l'huile d'onction. Le vendredi matin. À quelques temps après seulement, samedi comme 5 heures, ils m'ont dit de monter pour accoucher. J'étais parti sur la table pour facilement accoucher. Je ne sais même pas comment l'enfant est parti, comment est sorti. L'enfant là, je ne comprends même pas comment c'est sorti comme ça. J'ai écouté maintenant seulement le cri. Mais c'est comme ça, j'ai fait enfant là. C'était surprise. Je n'ai jamais fait un enfant comme ça. Et quand je finis même de faire l'enfant, les complications font que on doit me garder 3 jours avant de quitter l'hôpital. Mais après l'accouchement, 5 heures. 5 heures après l'accouchement. Et déjà 17 heures, je suis déjà à la maison. Acclame très fort le Seigneur. Alors je suis très contente et je veux rendre grâce à Dieu. Dieu l'a délivré. Et elle a accouché facilement. Acclame très fort Jésus. Merci pour ce témoignage. C'est une fille, non? Oui, c'est une fille. Okay. Mon frère. Non, oui. Ta foi grandit ou bien ça diminue? Il sait que nous, quand il est à l'heure, il est au tout. 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 Ça augmente ou bien ça diminue? Ou bien ça diminue? José, elle est stylée, dit alors. Je vais lui poser cette question, il va répondre ça bientôt. Je me suis rappelé du premier jour où il est venu dans mon bureau. J'ai parlé à sa femme pour dire que ton mari vient. Où je lui ai dit, tes fétiches sont petits. Et je mettrai tes fétiches contre toi. Dans les faux vautours, tu l'as dit. Et je te donne 2 semaines pour que tu prennes la décision pour adorer le Seigneur. Et en ce moment, il interdisait à sa femme de venir à l'église. À cause du choc qu'ils avaient reçu. Ils ont connu le ministère. À peine. C'est-à-dire, on n'a même pas encore installé le ministère. Quand on a fait le programme, où mon père était venu, où il est reparti, on a délaissé. Et ça a fait au moins 3 mois avant qu'on le lance proprement dit le ministère. La dame si était enceinte. Vous voyez les coïncidences qui détruisent les vies. Elle allait dans une autre congrégation avec son mari. Et ils sont venus dans ce programme-là. Et l'accouchement là a été difficile et ils ont perdu. Alors ils se sont dit, c'est parce qu'on est venu dans notre ministère. J'ai dit, moi. Quand tu échoues, tu viens ici, tu réussis. Vous n'êtes pas encore fidèle de mon ministère. Vous avez fait un pasteur. Mais la sœur est engagée. Mais lui l'a dit jamais. Jamais. Bédé. Il y avait les frères Ogoudje. Frère Ogoudje. Et puis Chef Chabi. Chef Chabi. Qui allait le voir. Mais non, moi. Il est menacé. Mais non, attends, juste
jusqu'au jour où il m'a rencontré. Vous savez, même si tu fais du bruit n'importe comment, si tu fais l'erreur, tu viens devant moi. Je te montre qui est Dieu. Amen. Et c'est comme ça. Mais il faut dire, quand il a commencé le ministère, le gars qu'on va me bénir, vous savez, c'est bon d'aller adorer fétiche avant de venir si Jésus. Il respecte les hommes de Dieu. Ils savent ce qu'est la semence. Parce qu'ils savent combien ils dépensaient là-bas. Le jour là, je lui disais, ta femme va tomber enceinte. Et ta femme va faire enfant sous la grâce origidie. Et tu vas voir que ici, ce n'est pas compliqué. C'est facile. C'est ça même. J'ai menti. Non, Dari. Aujourd'hui, ta foi est faible ou bien ta foi a grandi. Avec l'expérimentation, comprends que les gens vivent à Dari. Le coup de ma foi s'est racinée. Ah. Et non, écoute le concours, mais il doit adorer. Amen. Amen. Je prophétise. Non, non, non. Lou Chapé, Lou Kataria. Lou Segete Diado Sadalade. Grace. Grâce. La grâce de Dieu va abonder sur ta tête. Je me montre en un goro tatouiti. Tu vas scintiller. Anasai. Tu seras une lumière dans ta génération. Je prophétise. Tu seras une femme différente. Recherchée dans ta génération. Intelligente. L'argent va te célébrer et t'honorer. Et l'onction de l'Éternel reposera sur ta tête. Tout ennemi qui se lèvera contre toi, le feu le dévorera. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est fait. Oh, tout ce que tu as fait dans votre vie. Vous êtes bénis.